Yo 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 les amis, comment va aujourd'hui? On se retrouve pour une belle petite exploration urbaine dans un petit manoir où la végétation, comme vous l'avez vu, a vraiment pris le dessus. Donc on va voir ça tout de suite. Générique. On arrive dans la cour extérieure, dans le jardin. Le soleil est vraiment mal placé. Voilà. On arrive avec une petite piscine. Ce beau manoir abandonné, bien sûr. Une petite piscine. Qu'ils l'ont fermé. Avec c'était là dans le temps, visiblement il était fermé. Miskaf est passé par ici, tiens. Ah, ce bel escalier. Une belle petite cuisine. Encore pas mal aménagé. Fermé dans les yeux. C'est vrai, il y a une belle entrée là ici. Quand on va voir l'entrée, c'est dommage. Tout le jardin. Petite salle de bain. Je suis venu il y a quelques mois, mais depuis ça a un peu changé quand même. Je ne veux pas le cacher. Ça, c'était pas ça, par exemple. Cette mise en scène non plus n'existait pas. D'accord. Des mecs qui sont un peu amusés. Un petit vélo. Belle salle bleue. Mmh.
encore une petite salle de bain. Alors, une belle douche avec massage, etc. Hello, ça va la compagnie? Les abrutis sont contents, ils mettent la date dont ils sont, le jour où ils sont passés. Ah, snap, waouh. Bah Max, t'es un gros connard, ok? Max VLR 57, t'es une grosse merde. Urbex 55, va te faire enculer. Ah, lourd Max, je sais pas quoi là. Jordan, allez tous vous faire enculer. C'est quoi les connards là qui mettent leur griffe sur les spots? Ah, c'est bien écrit ici, respectez les lieux, je sais pas si vous le voyez, mais ça me fout en l'air, les connards qui mettent leur putain de signature juste pour dire je suis passé là. Putain, mais garde tes mains dans tes poches, prends des photos, des vidéos et tu te casses. Et t'arrêtes de saccager les lieux. Putain de bordel de merde. Mais plein de cul des cons urbexards qui font de la merde et qui respectent rien, putain. Ça me fout en l'air. Bande de trous du cul, bande de tocards. Là, ici avant il y avait une télé avec des fauteuils. C'est plus là. Ouais, Babi est toujours là. Qu'ils ont descendu des trucs d'ici pour aménager les pièces d'en bas. C'était pas du tout comme ça. Encore l'autre con, la Smack BLR. Mais mec, je vais te retrouver, je vais te taper. Pauvre merde. Et il a tagué partout cet enculé là. Je suis content, je suis un mongol. Pour ceux qui regardent les vidéos, qui respectent les lieux, bah n'hésitez pas à le snapper cet enculé là. N'hésitez pas. Ah bah la télé elle est là. Ça aussi fait une espèce de mise en scène à deux balles. Askaf, je t'aime bien, mais bon. On va t'abstenir des fois. Ah, dommage qu'on puisse pas accéder à l'entrée. Je vais quand même rester. Attendez. Voilà, ça c'est beau ça. Un bel petit escargot. Ça, on aime bien dans l'urbex, en photo. Des escaliers qui font des petits tourbillons comme ça. C'est très photogénique. C'est même photogénial. Allez, on va aller voir en bas. C'est le moyen d'ouvrir cette porte. Hein. Parce que l'entrée, elle vaut le déplacement. Accéder autrement, putain. Ah putain. Chier, merde. Ah, même. En regardant par la serrure, on se rend compte, il y en a encore une derrière fermée. Pas la peine de se faire chier. Ah, ce petit moulure.
Je vais remonter, faire 2-3 clichés vite fait. Là, je vais mettre en bracketing. Prise de front photo. Une surex, une normale, une sous-exposée. Je vais trouver un angle de vue assez sympa. Attention aux fenêtres, qu'elles ne soient pas dégueulasses. C'est le plus technique à faire. Sortir. On va essayer d'en refaire une un tout petit peu plus exposée. Mieux de dehors pour être sûr qu'à l'assemblage ça sorte bien. Comme je le dis, c'est un mode de 3 photos. Donc après, on fait une fusion par rapport à Photoshop. Ce qui améliore grandement la qualité de la prise de vue. Ainsi que la palette de couleurs qui est beaucoup plus large. Ainsi, cet angle de vue-là. Fenêtres sont pas ouf, je vais sûr que ça peut régler un peu de façon à ce qu'on ait mieux les fenêtres dehors. Ouais, normalement ça devrait faire. Pour en faire des masses parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. C'est juste histoire. Histoire de faire quand même quelques photos pour immortaliser les changements qu'il y a eu dans le spot. Ici, pas besoin de régler par rapport aux fenêtres. Donc on peut mettre qualité maximale. On n'a pas besoin de jouer avec l'exposition. Il n'y a pas de fenêtre, donc on peut mettre la balance à 0. Voilà, une fois assemblé, ce sera bien. Je vais repérer une petite que je voulais faire en haut encore. Et après, on va se zoner ici. Ainsi, tant qu'à faire. Si pas de fenêtre, donc on peut y aller. Balance à 0. Voilà. Peut-être ça a un peu cramé là.
Je vais en prendre une d'autre par sécurité, même si on n'est pas obligé de fusionner les trois photos au final. La surexposée, si elle est vraiment surexposée, vous pouvez prendre que la sous-ex à la base. Après, ça joue dans les réglages de haute lumière, de basse lumière. Enfin, de basse lumière, qu'est-ce que je dis, des sombres, des ombres, etc. Les tons foncés, les noirs. Donc voilà, dans les sous-sols, on va visiter ça vite fait. Quelques meubles des années 70, bien rétro, j'adore. Un vieux frigo, une espèce de vieux lavoir. Un Brandt et lui. Extraordinaire. Congélateur. Il n'y a pas de cadavre dedans. Oh merde. Putain, ça aurait bien rigolé. Bon, tant pis, hein. Avec. Petit atelier. Une pièce vide. Ok. On s'en branle. Et ici. Non, on s'en branle aussi, hein. Final. Ah, allez, on va faire le tour du bâtiment. Bon, attention quand même, parce qu'on est bien découvert. Jolie bâtisse en tout cas. Ces couleurs automnales là, c'est magnifique. Vraiment une belle bâtisse ça. On va s'éterniser, il y a du monde autour. On va faire 2-3 clichés d'extérieur, je pense quand même. Histoire de me remémorer ça, parce que bientôt il va être démoli. Ça fait un peu de la peine de voir. Belle œuvre architecturale. Ah bah c'est ouvert ici. Nickel. Voilà cette entrée que je vous parlais. C'est magnifique. C'est quelle est la lampe de poche, motherfucker. Je vais essayer de la reprendre avec les bonnes couleurs cette fois, cette belle arche. Ils sont tout fermés là. Non, on devait venir sûrement par là. Ouais, c'était par là. Voilà. Détecteur, je sais pas, c'est quoi. Je pense pas. C'est tellement visité de toute façon, je pense pas qu'ils soient encore actifs. Encore que, on sait jamais qu'ils aient mis quelque chose après. Ah, les mecs, ils ont réussi à le casser ça. Ah non, c'est sculpté. Ok, autant pour moi. C'est magnifique. De toute beauté. Vous savez faire des trucs chouettes à l'époque. Maintenant, c'est du préfabriqué, du pré-moulé, du pré-mâché, tout qui est moche. Insipide. Petite véranda. Et on arrive de nouveau sur l'entrée. Je vais en faire une petite ici.
j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais j'ai envie de revenir voir l'évolution de ce spot. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à me donner vos impressions sur ce lieu. Allez, big up la compagnie. Peace. Incroyable, un spot de dingue, j'adore ces vieilles bagnoles, trop beau.